Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder dans Substance Painter, dans sa dernière version, les outils qui ont été rajoutés, les nouveaux outils ou les nouvelles fonctionnalités. Ici, on va regarder et parler du displacement et de la tessellation, donc de la subdivision, de telle manière de pouvoir affiner le modèle que l'on a donc directement dans Substance Painter maintenant. Ok, donc on va venir reprendre nos rochers ici. Ok, voilà. Et on a donc ici un modèle polygonal de rocher qu'on a importé et sur lequel on a mis donc texture assez classique. Ici, ok. Voilà. Ok. Avec les textures ici que l'on voit donc en dessous avec diffuse, spéculaire, glossiness et on a laissé normal et émissive ici donc diffuse, spéculaire, glossiness, normal et émission, il n'y en a pas, on peut l'enlever et normal pour l'instant non plus. Ok, donc voilà le résultat qu'on obtient et on peut imaginer donc venir éventuellement affiner donc le modèle pour lui créer des reliefs. Donc pour ça, ici, on va venir dans Shader Setting et dans Shader Setting, on va enclencher donc Displacement et Tessellation. Au niveau donc du Displacement ici, on va définir le Source Channel et donc on a plusieurs possibilités. Enfin, on a deux possibilités Height et Displacement. On va utiliser Height dans notre cas de figure. Et on a donc des paramètres sur la tessellation qui sont aussi assez simples, uniforme ou edge length ici. C'est-à-dire qu'on va faire une tessellation, donc une subdivision uniforme globale, et autrement sur la longueur des edges, selon une certaine longueur, et eh bien on subdivise. Et si on utilise donc le edge length, pardon, on a le max length ici, donc qu'il faut définir. Telle manière que on est donc en deçà au-dessus pardon une subdivision qui se fasse. Ok, donc c'est assez simple comme paramétrage et intéressant à ce niveau-là. Subdivision ici compte, je l'ai pas dit quand on est en mode uniforme, de combien on va subdiviser ici. Et de la même manière, c'est sur le age qu'on se cale. Ça, c'est le nombre de subdivisions que l'on va faire par age. Donc 16 ou voilà, 8, 9, 10 et ainsi de suite jusqu'à donc 32. Ok. Donc on va rester pour l'instant en mode uniforme. Source channel 8 ici. Ok. Donc dans la dernière version, on a deux onglets maintenant. On avait un seul shader parameters. Donc je ne reviens pas là-dessus. Hein, sur les. Voilà. Et on a maintenant un deuxième onglet qui envoie donc à la fin de la liste des shader settings. Ok, je reviens sur les layers. Sur les layers ici, donc on va venir donc, c'est juste pour teinter. On va venir donc, je vais laisser la teinte, c'est pas très. Voilà, rajouter donc, hop, c'est pas un fil layer, pardon, un layer ici rajouter. Ok, juste pour le height, donc on vient sur le quatrième onglet ici, là aussi ça a un peu changé au niveau de l'interface depuis les dernières versions. On a quatre onglets ici notamment eh bien on va venir donc enlever diffuse spec gloss et normal et on est en mode 8 seulement sur ce layer 2 ici. Ok, voilà. Donc 10 weight ici, ok. Donc on va pouvoir créer donc du déplacement ici en prenant le height et en venant donc lui mettre une certaine valeur ici et donc cette valeur à 0,5 par exemple, hein, on pourra le réduire, 0,3 par exemple, pour commencer doucement. On a une brosse et si on peint, voilà, on déplace. Donc à ce moment-là, on voit ce qui se passe ici. Ok. Et on peut très bien, donc bien entendu, utiliser
les brush ici, ok, avec voilà, du grain ou des dots, dirt dots, voilà, pour avoir un peu de grain ici, voilà, des effets que l'on peut donc venir rajouter. Alors, bien entendu, ça va dépendre de deux paramètres, d'abord du height ici global, hein. Ok. Donc de la valeur ici que l'on donne, hein. Bien sûr, le coup de pinceau dépendra, hein. Donc deux fois plus faible ici, le même coup de pinceau, voilà, ça donnera quelque chose de plus doux ici, bien entendu, ok. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça dépend donc de la force ici, donc oops, displacement, height. Donc là, globalement, on va descendre l'ensemble donc du déplacement, voilà. Ok, voilà. Scale, alors valeur positive ou négative du reste. Ok, je suis allé au-delà de 0, voilà, un peu, voilà, de déplacement, voilà, ici. Ok, voilà, ça nous permet de créer un grain, une variation ici dans la roche. Et bien entendu, on pourra utiliser donc comme un layer classique, hop, sur le layer ici, 8, les outils ici pour smoother un peu, voilà, pour. Ok. Avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins pareil, de. Ok. Voilà, donc on pourra très bien donc réaliser des petites variations ici qui donneront donc, par exemple ici dans notre cas de figure du grain, des variations donc de déplacement au rocher qui leur donneront un peu plus de réalisme. Dans ce cas de figure. Donc on voit les petites bosses granuleuses ici qu'on a rajoutées donc au niveau de la base de notre rocher. Ok. Bon, voilà, on va pouvoir utiliser l'ensemble des outils pour cette nouvelle fonctionnalité pour pouvoir donc encore une fois affiner donc notre modèle. Ici directement en même temps de la création donc des textures correspondantes pour les différents canaux et ensuite exporter l'ensemble bien entendu sur les différents moteurs de rendu comme Arnold ou Unreal au format PBR mais même donc exporter au format V-Ray comme on l'a vu dans d'autres tutoriels comment exporter donc les différentes textures réalisées dans Substance Painter.